liesse populaire à Yopoukom Banco Nord en face de la zone industrielle. Sur cette place sortira bientôt de terre le futur lycée moderne de Yopougon Banco Nord. On nous a dit que ça serait un plus grand lycée de Yopougon. C'est pour cela que nous sommes heureux aujourd'hui. Le collège m'arrange parce que c'est tout près de chez moi. Donc je peux aller revenir quand je veux. Cet édifice dont la première pierre vient d'être posée vient porter au nombre de 7 les lycées de la commune de Yopougon. À terme, l'établissement sera composé de 6 bâtiments de 72 classes, une administration, 2 parkings, des vestiaires, un préau, un foyer, une cantine et un terrain de sport. Le tout sur une superficie de 4 hectares. Le conseil municipal que j'ai l'honneur de diriger a toujours donné une place de choix à l'éducation. Le lycée qui sortira des terres ici à Andokwa Banco Nord, communément appelé Ferraille, viendra renforcer le dispositif des établissements d'enseignement secondaire public dans la commune qui passera désormais de 6 à 7 lycées pour le bonheur de la population. Une action qui s'inscrit dans la dynamique de la scolarisation obligatoire engagée par le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara. 162 879 de nos enfants sont inscrits dans les écoles privées et encadrés par 4 997 enseignants. Beaucoup d'efforts donc reste à faire. En vue d'inverser cette tendance, le gouvernement ivoirien a initié un vaste projet de construction de nouveaux collèges et de lycées dans le district d'Abidjan en général et à Yopougon en particulier. Le lycée moderne 2 de Yopougon, zone industrielle Banco, viendra accroître les capacités d'accueil dans le secondaire. Cette initiative est d'autant plus importante et plus salutaire qu'elle permettra de désengorger les salles de classe et de renforcer l'encadrement des élèves. Le lycée moderne Yopougon Banco Nord aura un effectif de 2500 à 3000 élèves et sera livré en décembre 2022.